Vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager avec vous cette vidéo de formation. C'est avec Microsoft Excel, nous essayons de créer quelque chose de spécial. J'ai le taux et la valeur 1, taux 8, taux remplissage, valeur 2. Je prends ces valeurs-là, ce tableau-là, je fais insertion. Et dans le graphique, je prends... Puis je prends cylindre. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça. Je vais supprimer aussi et cette série-là. Et bien sûr, ces lignes verticaux, je vais les supprimer aussi. Maintenant, je vais essayer de changer un peu l'orientation. Disposition, ça je fais la rotation format, je prends format 3D et une fois j'ai fait tout ça, je passe à outil graphique, création, je fais intervertir et voilà. Si je fais ici le taux de remplissage, c'est 80, elle est là. Si je fais le taux de remplissage 10, donc voilà comment on peut créer un cylindre horizontal avec Microsoft Excel. Merci beaucoup, abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.